Ça va Quentin, ça fait longtemps. Vous voyez pas que je suis accompagné? Ah ouais, ouais c'est une belle plante en plus hein. Elle est pas mal. C'est une belle plante hein. Bon goût le petit Quentin. Je croyais que tu devais plus les voir ceux-là. Pardon? Eh tu parles mal toi hein. Gars, j'ai plus rien à faire avec vous. Ouais, qu'est-ce qui t'a dit Quentin? Oh mais cassez-vous là. Bah toi, on va se casser toi. Tu veux faire la maline toi? Vas-y, démonte là. Mais c'est là. Dépose là. Tu vas où? Tu vas où? Regarde bien ce qu'on va lui faire à ta meuf. Mais c'est là. Regarde bien, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux! Ouvre les yeux! Bute-la! Ah mal, hein? Non! Lève-le! Lève-le! Alors là, on va se marrer. T'arrives à la fermer? Tu veux? C'est la plaque qui merde, en fait, c'est ça? On va pouvoir la fermer. Et ça, ça se voit sur la veste? Mais c'est juste qu'elle risque de s'ouvrir. Ah bah ouais, tu risques de la perdre pendant la chute. Donc on va l'épingler, parce que là, je peux pas la fermer jusqu'en haut. Donc... Oh merde, j'ai respiré. Comment allez-vous? Ça va, génial. On est bien, t'as vu qu'on on a bien pris là. On a bien pris, ouais. Non, je crois qu'on a bien. C'est trop beau. Hein? C'est une bonne chute parce qu'après, quand je t'ai vu sur les photos raccord. T'as vu? Mais en même temps, c'est après les mises au dépôt, et après, tu sais, elle est, peut-être qu'il lui est arrivé des bricoles en prison, parce qu'elle est avec des prostituées, tout ça, non. Trop tôt. Beaucoup trop tôt. Ouais, ah ouais, pourtant, ouais. On refait, j'ai rien. Tu peux en faire une dernière ou pas? Oui. Non mais c'est hyper bien, c'est juste c'est des réglages de flux, de fumée, de tout. Ah les salons. Ça c'est super. D'accord, comme ça. Et encore un peu poil plus près. Je sais pas, parce que attention, parce que là c'était vraiment limite de cas de la sortie de... Eh ben génial. Elle était bien, bon on en fait encore une.
Allô Sonia, c'est Virginie à l'appareil. Virginie. Ça va bien, Virginie? Bah bien, écoute, tu m'as laissé un petit message, mais j'ai pas eu le temps d'écouter. Oui, merci de me rappeler. En fait, je voulais voir si tu étais dispo mercredi prochain pour faire une cascade, une chute à vélo. Ah, une chute à vélo? Mais vous avez un régleur de cascade, un coordinateur ou pas du tout? J'ai déjà m'assuré que toi, tu pouvais faire la cascade. Et d'accord, ok. Ouais. Ben, parce que moi, si tu veux, je peux m'occuper de régler ça, si ça t'arrange, quoi. Ah bah. Ouais. Je ne savais pas, c'est une excellente nouvelle. Je suis très contente de savoir que tu règles. Bah ouais, c'est un peu mon activité principale maintenant. Moi, bon, j'en fais un petit peu, tu vois, des cascades, mais je m'occupe plus de faire du réglage maintenant, c'est plus sympa. Enfin, c'est plus sympa. Ah bah tu m'étonnes. Ouais. Ok, d'accord. Si, on va le prendre à deux, si tu veux. Non, je vais prendre tout ça, si j'ai l'habitude. Ça, on en a pas besoin, si. Bah, on mène, on sait jamais. Je fume trop, je suis un peu stressée. Je fais pas de cascade, mais je suis plus stressée qu'avant. Ouais. Elle est costaud, la souche? Non, pas du tout. Pas du tout? J'ai trouvé un truc. Guitare, là, il a l'air d'être pas mal, non? Ça va? Ça va, c'est bien. T'as tous pété la gueule. Ouais, en fait, c'est vraiment, c'est... POUM! Et là, ça fait ça, si tu peux enchaîner direct. Le seul truc, c'est que tu feras bien téléphone. Hein. Ouais. Tam, et vraiment que ça fasse pam, bam. Yes. Ah, c'est cool, j'avais envie de le faire. Ah, grave. Ah, c'est super. 642 B sur 2, première. Là. 7. Et action. Melinda? Coupé, on va faire une. Coupé. On va faire une, s'il vous plaît. Ouais, mais t'as pas ton bras. Ça va? C'est coupé. Nickel, ouais. Ça va? Nickel? Tu restes. Laisse-toi aller. Pam! Là, tu t'en fous et après tu pars et là tu maîtrises. Alors, on va améliorer quelque chose. Ça, c'est bien dans notre cristal. En fait, t'as vu? En fait, c'est juste que tu prends le coup et ça reste. En fait, faut que tu arrives à lier le fait où juste un peu, pam, tu pars et là, tu fais un pas et tu vas. Mais c'est bien, c'est un entre-deux, quoi. Ouais. Et action. Switzerland. Switzerland. My dad, my biological father, is Nigerian, but I never met him. And then my mother, you know, when I was four, she married another Swiss guy. Mm-hmm. And then she had two more kids, my two younger brothers. So I really grew up very Swiss. Even though I don't look like Heidi, mm-hmm. you know, I'm the modern Heidi. Yeah. So what is it? You said you do stunts. Yeah. Calm it down. Okay. Yeah. We need. I started with Minority Report. Wow, how fun is that? Men in Black. What else? Time Machine. Famous one was Pirates of the Caribbean. Ooh. So what are you reading? Oh, that's my script for my next acting class. Oh. Yeah. So you're taking an acting class, it's not for an actual show right now? No, yeah, that's for a class. It's just, you know, for stunts, it's good if you can act as well. Mm-hmm. But now I'm actually, you know, working on really also getting just acting jobs that don't involve any stunts. So
Does Rita know about you and Diane? Is it safe to put my glasses on now? Or are you gonna have some other kind of like Neanderthal fit? I've dropped the shit, all right? I asked you a question. You don't have to answer it. Little louder. Do it. You gotta be on his level. Drop the shit. I asked you a question. You don't have to answer it. And cut. I'm in love. Yeah. Mm. How's she like? Oh, well, she's very sweet. Very beautiful. The sex is mind-blowing. Better than me, huh? No, you gotta be sarcastic with this. Like, oh, better than me? Okay. You know she can't be better than you. Just whip him. Whip him. Do it. You same exactly what you're doing, where you're enjoying it, but you're like, more energy. Oh. And whenever you're ready. She's a waitress at the Sing Song Club. My God, is it Cindy Shore? Yeah, you know her? Kind of. Top him, top him. Kind of. I want Petra's personality in this. You get what I'm saying? So I got a nice, you know, sweet slice of life, but that's not you, Petra. I picked this for you. You're a strong, ballsy, hot woman. Okay. All right? That's why you can't be with him. He's just, you know what I mean? But he annoys you because you care about him. She tore her boyfriend's heart out last time. Yeah, because he was cheating on her. I know her ex, Jose. She was cheating on him with guys and girls. Yeah, everything he says, it's like just top him. Just keep topping him vocally. Oh, okay. And then when you do, when you top him and you keep doing it, your personality comes out and then it's dynamite. Okay, okay. I've seen you be in this mood plenty of times. See, I love that giggle. I want to, even if he says something that's so outrageous, you can be laughing at him. You, Petra, laughing at him. Mm-hmm. Whenever you're ready. Sorry. Again. Scorpion. Yep, finish. Nice. That's how we fight. Good. Jump up. Deadlift, hammer curl. Press. There you go. Now we're working. Good. I feel like I'm giving birth to something. Giving birth to success. Go. No. Bolt, give me pressure. Yeah. No, it's better. All right, now we move. Okay. So you're going to start on the toes, heels together, toes apart. Yeah. Oh, my God. What? My left calf is cramping up, and that has to do with my large Achilles tendon surgery. So I don't even know about this one. It was on a shoot that I wasn't even paid. With every stunt job, I guess, I landed on my hip somehow. Last one. So one day, just literally couldn't walk anymore. Mm. I did the MRI and it was, the labrum was almost 360 degree torn. So it was torn all the way around the hip socket. We fixed the labrum. He put 4 to 5 pins in my hip. Mm-hmm. And after a year, everything was torn again. And then he said, really, the last resort for me is the total hip replacement, not even the partial hip replacement. So you don't have to have the surgery done again, hopefully. Yeah. I mean, it should last 40 years if I stop dropping on it. You know what I mean? Yeah. Attention, t'as sauté un peu trop tôt. J'ai trop sauté? Ok. Attention à ne pas emmener ta tête. Hein. Ah ouais? Ça
pas, là, on sent ça. Ouais, je sens pas, ouais, mais... En général, les percus, on vous en demande pas d'en faire 5. Ils aiment bien en faire une et en cut, parce que c'est vraiment dangereux. Et quoi qu'il se passe, nous, on prend un vrai choc. Il y a des combinaisons moto intégrales. En général, c'est ça qu'on va privilégier. Du coquet intégral, de la tête aux pieds, les malléoles, et on se protège. Sauf s'il est en t-shirt. Là, bon, bah, c'est un peu plus compliqué. Mais en général, ils évitent. Ils mettent quand même des bonnes tenues. OK? OK. Alors, fais attention avec ta tête. Hein. Mets tes jambes plus rapides, parce que là... Je le fais là. Alors, ce que tu m'as fait, c'est que tu as amené ta tête là. Ah, yes, OK. Et forcément, bah, c'est ta tête qui est venue taper là. D'accord, OK. Il faut que tu amènes plus ton épaule. Cut! Est-ce que tout le monde, ça va? Je me demandais si tu avais des nouvelles pour ton tournage avec le youtubeur. Ouais, avec Inox, tu dois refaire un truc avec. Non, non, pas avec Inox, pour une vidéo YouTube a priori, mais j'ai pas de nouvelles. Donc, Mais du coup, t'as pas passé de casting. C'est le régleur qui t'a appelé. En vrai, c'est rare qu'il y ait des castings en cascade. S'il y avait Luc Besson qui passait des castings c'était pour cascade, les cascades. Hein. Mais c'est souvent ça d'ailleurs. C'était pas un casting escrime, c'était vraiment cascade et ils demandaient des escrimeurs. En fait, s'ils ont besoin de plein de profils, c'est intéressant. S'ils ont besoin, par exemple, d'une meuf qui fait 1m66, bah oui. En fait, faire un casting de meufs qui font 1m66, ouais. Tu vois, ça a moins de sens déjà. Mais c'est souvent les gros castings ou pas, comme ça? Jamais. C'est le seul exemple de casting que j'ai vu cette année. Hein. Ah ouais, moi aussi. Ah ouais, cascade, t'en as jamais. En général, c'est les régulars qui t'appellent. Et puis, tu vois, là, sur Astérix, ils ont pris des gens qui bossent déjà ensemble. J'ai grandi à la campagne, j'ai jamais pensé à être cascadeuse. Du coup, j'ai eu un parcours assez classique de bonne élève où j'ai fait mon lycée, ma prépa, mon école d'ingénieur en agroalimentaire. Et il y a 5 ans, j'ai découvert le parcours. Et mon coach, il fait de la cascade un peu cinéma. Et un jour, il cherchait des gens qui faisaient du parcours pour, sur Alice Nevers. Et il me dit, oui, Estelle, est-ce que ça t'intéresse? Ouais. Il y a des copines, en fait, qui faisaient de la cascade et qui m'ont dit, mais franchement, fais une école de cascade, quoi. C'est trop drôle. C'est complètement nouveau parce que je trouve que le monde artistique et le monde entreprise... Mais c'est deux mondes différents, même quand tu discutes avec les gens. En entreprise, la première question, c'est dans quoi tu te vois comme poste dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, même parfois, on va jusqu'à 20 ans en entretien d'embauche. Ah ouais. Et là, dans le monde artistique, les gens, ils savent pas ce qu'ils vont faire dans un mois, quoi. Ouais, t'es toujours entre ces deux trucs de... Bah, là, t'as une vie posée, au moins tu sais où tu vas. Mais la cascade, ouais. C'est les montagnes russes, quoi. Donc, ah ouais, ouais. Puis t'as toute la société qui te met la pression sur... Tu vas avoir 30 ans, t'es pas mariée, t'as pas de maison, et les enfants, est-ce que t'y penses? Parce que quand tu seras enceinte, tu pourras plus t'entraîner. Et en fait, t'as toutes ces problématiques qui te font cogiter un petit ouais, peu. Ouais, il y en a pas vraiment, en fait, qui ont des enfants. Enfin, moi, je suis arrivée ici, j'étais la seule maman, quoi. Ouais. Pour récupérer d'un accouchement et d'une grossesse, il faut du temps. Et donc, t'as quand même une grosse pause dans ta vie. Et après ça, il faut récupérer le muscle, ta tonicité. Et j'en ai bavé, quoi. Vous, des enfants... Bah, je vais rester toute seule. Ah, et moi? Eh ben, la deuxième. Et je le fais à toi. Ouais, ah, vas-y. Okay. Un, deux. Oh, merde. Ah, c'est bien, tu me fais une claquette à ta mère. En plus, ça, je suis fort. Ah, oui. Mais ça s'entraîne. Monte ici. Les pointes de pied. Rentre un peu la tête. Allez, tiens. Bah non, mais non, tiens. Mais aide-moi. Ah, si je croyais pas que je croyais que t'allais rouler direct. Bah non. Tu poses, tu pousses dans la jambe et tu relèves. Okay. Pousse dans la jambe et il faut dire c'est l'autre jambe qu'il faut que tu plies pour te relever. Ouais, je sais. T'as gagné un peu là, t'as gagné un peu. Ça va? Ouais. C'est supportable? Ça va pas. Ça va bien là. Allez, on compte. 1, 2. Le prof de danse va me montrer dessus.
Je te jure, mais tu sais, deux gros pieds sur mes genoux, là. Ça va? Tu vas pas pleurer. Hein. Non. Mais non. Non, mais c'est bien, ça. Et après, tu penches un peu en avant. Allez. Non, c'est mort. Mon cœur. Tu vois, c'est en pente. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Bien. C'est rigolo. Ouais. J'aime bien. T'avais jamais eu genre peur? Vraiment très peur? Ouais. Bah non, parce que comme je suis à peu près consciente des risques que je prends, j'ai jamais eu peur de perdre la vie en faisant de la cascade. Ouais. J'ai conseillé, il me dit, voilà, j'ai une cascade à te proposer. C'est je vais te percuter en glissant avec une moto. Ok. Donc il faut savoir que quand la moto va glisser, moi je vais venir... Il va venir me toucher la jambe pour me faire pour que je tombe. Mais donc, dans ces cas-là, la moto, il ne faut surtout pas qu'elle fasse ça, sinon... Ouais, sinon, tu te prends la moto. Je me prends la moto, et à 60 km/h, c'est énorme. Tu vois, les jambes cassées, plus, ou ça peut être même pire, quoi. Mm-hmm. Et donc, quand on l'a tournée, donc on n'a fait qu'une seule prise, bah, c'est extrêmement, extrêmement bien passé. Et ouais. C'était super violent. Et je trouve que même à l'écran, on voit même pas, on se rend même pas compte de la violence de cette cascade. On a l'impression que je suis câblée. Et je suis rentrée, t'étais petite. Oh. Et j'étais bien contente aussi de rentrer entière. Et donc le matin, c'est ton père qui t'emmenait à l'école. Mais tu es venue me faire un bisou et quand tu m'as vue... T'avais un gros bleu? Non, alors tu te souviens pas, ouais, quand j'avais un énorme bleu sur l'œil. Tu te souviens ou pas? Oh. Non, t'avais 3 ans et demi, ou 4 ans. Tu m'as dit, oh, mais tu vas rester comme ça toute ta vie, maman. Ah, tu t'en souviens ou pas? Mais ouais, mais même après, tu venais me chercher après, les jours qui suivaient avec des lunettes de soleil. En plein hiver. Mais grave! Depuis que je suis petite, j'ai toujours vu ton métier comme un truc de fou. Quand tu rentrais le soir avec des bleus, tu pouvais avoir n'importe quoi. Mais maintenant, tu vas te réveiller, tu vas me préparer à m'emmener à l'école, le smile, trop bien. Du coup, ma mère, elle est invincible en fait, parce que. Dans tous les films qu'elle joue, c'est limite tout le temps elle meurt ou elle se fait des grosses blessures, mais au final, quand je rentre à la maison, elle est toujours intacte parce qu'elle gère bien ses cascades en fait. Mmh. Ce que tu gérais trop bien. Alors, tu vois bien? Ouais. Scénario, il voulait que la comédienne fasse sa cascade. Ah oui, en petite robe. En petite robe, bras nus, etc. S'il me demande de faire la cascade une fois, deux fois, trois fois, ouais. Sans protection, je le ferai, mais c'est quand même plus sympa de pouvoir avoir une petite dorsale. C'est clair. Tu peux t'envoyer plus violemment sur la chute d'escalier. Je suis quand même super contente qu'on m'ait appelée pour faire ça. Même si on me demande de faire sans protec, et ben j'irai, et avec le cœur en plus. Non, ouais. Sortez les escarpins. C'est bien de prendre des chaussures qui ferment au niveau de la cheville. Ah ouais. Parce que sinon, elle risque de se barrer. Oh là là, et ça c'est super chaud. Oh là là. Putain, mais même à marcher avec, j'arrive même pas. Après, j'aimerais bien me battre avec des chaussures comme ça, c'est super classe. Et c'est joli, hein, très joli. Mais tu fais que du poing, quoi. Ah non, j'ai trop dur. 1, 2, 3, 4. Et après. Et après, partir sur un. Vas-y, alors okay. On refait. Donc ça fait. Et 1, 2, 3, 4, 5. Chap, pouf. Et du là. Coup là. Boum. Ok. Ouais. Et là, tu reviens, je sais pas, tu mets une balayette. Genre, je sais pas. Ouais, à la limite, ça peut te déséquilibrer un peu vers l'avant. Et je te finis. Ah ouais, bien. Ouais, grave. Vas-y, on va essayer de... Attends, ok. C'est bien. Ouais, c'est pas vraiment de bien. Ouais. Of all the roads that I could take.
Pas juré fidélité, non. Tu me dis que tu m'aimais. Et alors? Personne ne me contrôle, moi, tu m'entends? Personne! Arrête! Tu vois, elle le tape. Ok, avec une seule main. Elle est tenue sur son épaule. Exactement. Elle donc ça, 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 d'accord. Tourne, garde de fin. 3, 2, 1, action. Personne ne me contrôle. Personne, tu m'entends? Personne! Non. Waouh! Estelle, comment tu te sens? Parfait! On a eu très peur! C'est vrai? Tant mieux! Et ça l'a fait rire! Monte, allez! C'est une question, je vais mourir! Arrête, j'ai besoin d'être seule! Mais si tu me lèves, je vais mourir! On arrive sur un tournage, tu dois te faire péter la gueule. Tu sais pas pourquoi, mais tu sais que tu dois te faire péter la gueule. Mais pour moi, c'est plus de la performance. Par exemple, sur la chute de hauteur au campus, t'as peur, mais en fait, si tu le fais pas, mais c'est hyper frustrant, quoi. Bien tu sûr, serais trop déçu. T'as un peu ce côté stress, mais une fois que tu l'as fait, que c'est passé, que tu t'es pas fait mal, et que t'as tellement ce soulagement, moi, c'est vraiment ce moment-là que je préfère, quoi, quand t'es fou. Un peu de l'insouciance, une vie où on y va. Ça nous apportera rien, tu vois, de sauter de 70 mètres. Mais à l'intérieur de nous, c'est kiffant, quoi. Parce que, enfin, je sais pas. Le truc, c'est que moi, à la base, je voulais faire de la cascade, c'était pour me battre. Mm-hmm. Là, ça fait quoi? Ça fait un an que je commence un petit peu à travailler. Mais c'est pas du tout ça, en fait. Je fais que mourir et me prendre des baffes et, et tomber. On devrait mettre une petite croix à chaque fois qu'on meurt. Un petit tatou. On serait des dalmatiens. Sous le pied. Enfin, pour l'instant, moi, je sais pas, on m'a jamais appelé pour taper des gens. J'ai envie de taper des gens. Enfin, je sais pas. Ah bah ouais, c'est beaucoup ça. Mais la chute où tu prends des coups. Ouais, je pense que la vie pour les femmes, elle est plus dure en général que pour les hommes, et c'est ce qui se reflète dans au cinéma. Je le vois pas comme ça, mais je sais qu'il y a de la violence des hommes envers les femmes, mais quand je le fais dans un film, je le vois vraiment comme de la fiction. Je le mets pas dans une situation de. Du contexte actuel ou... Je sais pas. Casse-toi! Ne va te voir maintenant! Va te voir, laisse-moi tranquille! Hé, c'est ça là! Hé, mon bras! Allez, connard, casse-toi! The acting or the romance? Where's priority now? Acting, stunt, or what was the third one? Romance. What's that? Romance? Like hard stuff. Oh, romance. It's not that I'm against meeting someone. It's just that I don't want to end up with somebody that I don't really like I've done so many times in my life. You know, when I was that 8 years with this dude, I wouldn't say that I wasted 8 years, but in a way I did. 8 years is a lot of time. Actually, I met him within 1 year that I moved to LA. And so I was really trying hard to become a stunt woman. And
I have to say, he held me back in many ways because I said, okay, today I'm buying a motorbike. Mm-hmm. But he's like, no, not to do. You're not getting any motorbike. It's way too dangerous. Okay, he's going out with a stunt woman and he's telling her, buying a motorbike is too dangerous. It's like, you know, riding a motorbike, it's like the bread and butter of being a stunt woman. You know what I mean? Yeah, remember, yeah. I had one too. Your guy? A psycho one. Once they say a thing like that, how many other things are they going to say like that? This was just one thing. I remember that. Let's try. Hello? Mami, du musst die Sound anmachen. Sound. Und du, Kostüme sind wahnsinnig gewesen, von den 1920er Jahren. Das ist also schön, ne? Und was hast du müssen machen? Ich bin abgeschossen worden. Also nein. Du bist am Boden gelegen. Ich bin so noch mit diesen Schauspielern gsi, weisch, und sagen ihre Lines und dann reden die, weisch, und dann kriegst du noch manchmal die Spucki ins Gesicht, das ist dann auch nicht unbedingt lustig. Ich habe gedacht auf diesem Job, es ist also wirklich gut, dass ich Schauspielunterricht habe. Und ich war so froh gewesen, weil es hat einen Marmorboden gehabt dort, und jetzt bei dem, die haben so viel Geld auf dem Westworld, Mami, dass die eine Matte gemacht haben, eine Gymnastikmatte, die genau so aussieht wie der teure Marmorboden. Das ist natürlich gleich billiger als nachgemacht, ist sicher billiger als echter Marmorboden. Nein, wir haben dann Genächte gehabt. Das ist dann nur für. Das ist dann für einen Stunt. Das macht ja sonst niemand. Weißt du? Sonst musst du als Standfrau musst du auf den Boden gehen, auf den Beton. Oh. Ja. Schön, du. Ja, ja. Und wie heisst das? Westworld oder Bestworld? West wie? Wie im Westen. Westen. Aber Westworld, ja. Okay, so we're going to do 30 units today, Petra. We'd like to be conservative, right? Because we don't want you to look frozen or spock-eyed. No. So let's just maintain your beauty that you have and soften the lines. Okay, lovey, here we go. Okay, so bring your brow together and frown. Raise it up high and frown hard. Okay, you have a little tiny there, tiny bit. You don't even really need a whole lot. A little bit. This is your procerus muscle. Mm-hmm. A little pinch. Now I want you to wrinkle your nose up like a little bunny. Yep, and relax. We're gonna get this, and we're gonna soften these. A little more ouchy there. Okay. You're doing so good. No bleeding at all, you're doing great. Mm-hmm. Smile big, squinty smile. Like this, look, yep, just like this. Oh, okay. And relax. Deep breath. Perfect. Deep breath. You're doing great, Levy. Give you a little break. Mm-hmm. This is our real nature, we are singing. So I think a stunt person needs this hymn, actually. Otherwise, stunt means what? You renounce your name, fame, because they don't show your name or face. Is it? Yeah. And
you do the just a dangerous portion only. Sometimes I amazed and I couldn't open my eyes when she did film in the film. It's so dangerous. Oh my gosh. Then why she does like that? Really, no one can do like that. And no one shows her name and fame also. It's really, so this Shankara's hymn is really for her. Her job, the theme of her job, actually. But she is always practicing. That is not easy. Because you're making me cry. Yeah. So really, she has to insert this hymn into her life. Now, what is next? I don't know. Well, isn't Shiva next? Okay. My favorite one. This one we've had trouble getting running. Yeah. These are kind of the Fast and Furious cars, and I've worked on 1, 2, 3, 6, 7, 8, and 9. Yeah. Yeah. Oh, yeah. It's so easy. Well. Yeah. Yeah. Some of the belts are so stiff yeah. that you can't adjust them. So these are my driving belts. These are the ones I take with me everywhere. Even if I don't, which I probably won't bring the shoulders, because I just have a little car crash to do, not a big one. What's a little car crash? What do you mean by that? 15 mile an hour. Oh, but what are you crashing into? Another car. Okay. What would you say is more abusive to the body? Like, I mean, I guess it depends on everything all the time, but I'm just at the point now where I'm thinking becoming a stunt driver is going to be safer than doing those kinds of stuff. Do you agree with that, or? I do. Okay. Yeah, okay. I mean, I've been injured. I got hit by a car on Yes Man. Yeah. And that really took away my physical stunts, and I do miss it, because the running, jumping, diving, you know, being agile is what I always was. So if you're doing hard knock physical stunts every single day when you go to work, it takes its toll a lot quicker than if you're in a car. La cascade, c'est un métier d'homme, et ça fait pas longtemps que les femmes arrivent, donc c'est vraiment pas facile d'être la première femme rêve. Bah après, une fois que tu as fait pas mal de cascades, c'est vrai que tu as un autre regard sur comment anticiper, comment réagir. Je pense que c'est difficile d'imaginer quelqu'un qui a jamais fait de cascade qui est régleur. C'est pas possible. Bah ouais, c'est délicat. Enfin, après, peut-être qu'il y en a qui sont des bons pédagogues, mais c'est vrai que tu te dis. Moi, ce que j'ai aimé dans le métier, c'est que la première fois que j'ai fait des cascades, c'était des gens qui avaient déjà fait des cascades et qui me disaient comment ça allait se passer. Mais oui, donc tu as plus de respect, oui. Plus de respect, enfin, puis là, tu étais plus tranquille. Confiance. Plus de confiance, parce que là, il disait, voilà, tu peux avoir, il peut se passer ça, il peut se passer ça. Bien sûr. Que quand tu l'as pas fait, tu peux pas anticiper les choses. Non, mais c'est bien, c'est plein d'impondérables et plein de surprises. Et c'est pour ça que j'adore quand on me raconte des anecdotes, parce que ça nous sert tout le temps. Oui. Tu vois, des anecdotes de tournage, de ce qu'on a, on n'a pas anticipé ça, il s'est passé ça, et toi, tu as toujours l'oreille qui traîne en disant, tiens, c'est bien. Oui, l'expérience des autres. Oui, l'expérience des autres, c'est super. Mais on ne peut pas se permettre de prendre le risque, parce qu'on sait très bien ce que ça coûte, le risque. Ouais, ça coûte trop cher. Mal calculé, c'est waouh. J'ai fait pas mal de sauts de capot aussi, tu vois. Mais une fois sur le périphérique, pieds nus, je sortais d'un hôpital psychiatrique, genre en chemise de nuit avec juste le minimum de protec, de se suicider, en fait. Et là, se faire renverser par la voiture.
Eh ben, j'ai fait une autre folle aussi. Une autre folle, ça en fait beaucoup des folles dans ce métier. Et Catherine Deneuve, je devais lui cracher au visage. Et je ne sais pas cracher. On m'a toujours intéressé. Mes parents, c'était « tu craches pas, tu craches pas ». Donc, j'arrivais pas à cracher. La cascadeuse, elle ne sait pas cracher. Bah oui, bah. Non, mais c'était, hallucinant parce qu'en fait, à un moment donné, j'entends Joël Ballon a fait une chute de 36 mètres dans un airbag. Et donc, quand j'ai appris ça, je voulais voir ce que tu avais fait. Et je regardais les films que tu faisais, puis je parlais avec les cascadeurs de ce que tu faisais, parce que tu étais ma référence de cascadeuse, quoi. Mais tu sais, quand j'ai commencé, on était 3-4 dans le métier. Ouais. Bah, c'était assez magique, parce que c'était cette époque où c'était les hommes qui doublaient les femmes. Oui, c'était les hommes qui doublaient. Ouais. Moi, je me souviens encore au début. Hein. Puis, tu vois, puis maintenant, à l'écran, quand tu vois les anciens films, tu vois les tu vois que c'est un homme. Ouais, non. Moi, je me souviens de toi dans la rue qui faisait des flips et des flips. Et mais c'était sur quel film? Je sais plus. Ouais, parce que moi, au début, je voulais devenir acrobate, faire des numéros de cirque. Donc, j'ai commencé à faire l'école, j'ai commencé à monter un petit numéro et j'ai passé le casting pour le Lido de Paris, chercher une grande acrobate. En sachant pas du tout, parce que j'avais jamais mis les pieds au cabaret. Moi, je montais de Marseille, quoi, tu vois. Donc, et j'ai passé le casting et on m'a fait faire de l'escrime. Et du coup, j'ai été prise et je me suis retrouvée à travailler au Lido de Paris où j'ai rencontré donc des cascadeurs. Puis j'ai commencé dans la cascade comme ça. Est-ce que tout le monde sait qu'il y a 3 cascadeurs qui vont se casser la figure de la scène? Bon, attention, soyez pas sur le chemin, soyez vigilants, regardez ce qui se passe, montez pas à l'aveugle. On n'est pas là pour se faire mal. Et les attentions, ça compte. Mais tu vois, j'arrive ici, mais toi, je suis douce avec toi. Je suis super douce et je fais attention. Non, mais c'est super important parce que ça peut partir vite. Et c'est un coup de coude, tu vois pas. En fait, là, on va faire une répétition, faut être vigilant, même si on ne sait pas à fond. On prend ses marques, on essaye de monter, de voir ce qu'on peut faire sans se faire mal. Monte, c'est que monte. Alors, t'as dégagé Mehdi une fois, on va faire ça. Mehdi, tu pars, t'attends un peu. Je suis déjà là-bas. Non, ouais, non, il te prend, il dégage Mehdi. Ouais. Bah, je sais pas si c'est où tu lui arrêtes le bras, tu vois. Voilà, et tu le chopes, tu l'emmènes. Mmh. Ou tu le chopes vraiment. Mais la cam, elle est là, il faut vraiment qu'on le voit. Ouais, mais il m'a dit, ouais, je le pousse un petit peu, il va me rejoindre. Voilà, c'est ça, exactement. Moi, je te conseillerais, c'est de prendre aussi le micro, tu lui dis, on va garder ça, mais entre chaque prise, on garde le même rythme, qu'on n'accélère pas. Ah, oui, bien sûr, oui, ça change la même chose. Et aussi, donc il y a moi qui tombe, il y a Antoine qui tombe. Ouais, Antoine, les mecs qui sont derrière, il faut les prévenir qu'ils ne laissent pas une genou, un truc. Bah, c'est ce que j'ai dit. Hein. C'était bien la petite séquence là, ça va être bien ce soir. Et d'ailleurs je voulais te dire pour vendredi de la bagnole qui va, qui défonce le portail. Ah oui. Vous venez, vous avez Oogie Fête? Ouais, c'est moi qui serai là, ouais. Ah bah génial. Ça, c'est rencontrer les plans. Ah oui, je veux bien. Tu présentes les inserts, voilà, tu prends tout sur un programme, on va te faire un mouvement où ça avance. Ça fume surtout depuis qu'il glisse. Ah d'accord. Ah ok, super, bah, génial. Okay. Ça Tu veux pas qu'il soit un peu accroché à la moto comme ça quand il laisse la moto? Non, tu veux pas? Okay. On l'a pas répété. Il faut déjà faire la cascade. Il va se désolidariser de la moto. Tu vois ce que je veux dire? Ok les gars.
elle est belle celle-ci. Ouais. Là, c'est ce qu'on avait pu faire. Elle est au sort. Putain, elle se remonte quand même. Ouais, ça fait qui quoi. Je ne sais pas dans quel sens regarde. Regardez vraiment. Fonctionne ou pas? Alors c'est dans ce sens-là du coup. Mais oui, je pense. Mais on n'est pas comme on est dans un lieu fermé. Alors on va se mettre en position, je veux bien que tu te recules un peu. Ouais, d'accord. Le bon réflexe c'est d'avoir le doigt jamais sur la queue de détente, mais toujours sur le côté, tant okay. qu'on n'est pas prêt à tirer. Je vais insérer l'arme. Mettre une cartouche dans la chambre et ce sera prêt à tirer. Tu pourras tirer trois coups. Un, deux, trois. Okay. On fait ça? Ça marche. C'est bon? Ça roule. Hop. L'arme est chargée, prête à tirer. Le chien est rabattu. Donc là, je te laisse la prendre. Ok. Voilà. Ça, c'est lourd. Ok, c'est bon. Tu es bien sur tes appuis. Tu peux te mettre en position. Je vais avoir du recul ou pas? Comment? Il y aura du recul ou pas? Un petit peu de recul. Okay. Pas grand-chose. Il y aura une éjection de cartouche sur le côté. Voilà. C'est tout ce que tu tiens. Okay. Quand tu es prête. On y va. Oh! La culasse est en arrière, peu de cartouches dans l'arme. On est bon, je retire le chargeur. L'arme est en sécurité. C'est drôle. Voilà, on a une onde de choc, vraiment, ouais, qui met en condition en tout cas. Excuse-moi. Ça va? Ouais, malgré... Mais ça fait depuis août où j'ai plus ou moins... Enfin, j'étais aux entraînements, etc., mais ça devient compliqué. Parce que du coup, j'ai fait un match contre une grosse catcheuse parisienne. Et en fait, moi, je devais tourner ma tête et j'ai réellement pris le coup. Et ça m'a remonté à des souvenirs un peu pas cool. En fait, j'ai vécu il y a 5-6 ans maintenant une relation avec un gars qui me rabaissait, qui était assez violent dans ses propos, etc. Ouais. Qui m'avait fait comprendre aussi que je serais pas cascadeuse. Lui fumait beaucoup, il a fumé pendant que moi j'étais au campus. Je suis revenue, il était complètement paranoïaque, je l'avais trompé, etc. Et je me sentais complètement agressée, quoi. Ouais. Donc au bout d'un moment, t'exploses et tu viens la femme hystérique, etc. Et donc à ce moment-là, il s'est énervé, il voulait me faire taire. Donc du coup, il m'a étranglée et puis il m'a mis une main sur la bouche. Donc, incapable de respirer et pour moi ça a duré plusieurs minutes. Alors ça a sûrement duré beaucoup moins mais dans ma tête ça a duré longtemps. Et c'est vrai que à partir de là mon corps a vraiment réagi et à l'heure actuelle j'ai beaucoup de mal à faire des entraînements de catch, j'ai beaucoup de mal à faire du combat. Enfin, si je me retrouve à avoir quelqu'un face à moi qui me donne un coup, si c'est lui qui me protège, pas de problème. Par contre, si c'est à moi de me protéger, parce que par exemple, un coup de pied à la tête, c'est à toi de mettre ton bras, etc. En fait, je fonds en larmes, je suis incapable de gérer la situation. On a fait cette session boxe aussi, et je me rappelle qu'il y a des filles de mon groupe, même si elles n'avaient pas vécu les mêmes choses que toi, qui n'ont pas supporté en fait, de prendre des coups. Et en fait, elles se sont mises à pleurer, pas par la douleur, mais parce qu'il y avait ce sentiment un peu d'oppression, en fait. Donc je pense que j'imagine que pour toi ça devait être encore plus compliqué de... C'est vrai que je suis arrivée après au campus en mode vas-y, justement avec la cascade ça va m'aider, je suis forte, même si je suis une femme rien à foutre quoi, j'y vais. Et en fait je m'en rends compte 4 ans après que j'ai pas avancé, que je suis sur le même point et qu'il y a des choses que j'ai pas du tout guéries en fait qui se guérissent pas. Du coup c'est très compliqué, quoi, parce que je me dis, même dans le cinéma, tu vois, on doit parfois tourner des scènes de viol ou des scènes où tu te fais maltraiter. Je sais pas comment je le vivrais concrètement. J'ai jamais tourné ça à l'heure actuelle et je suis incapable de dire comment je réagis. Okay, donc c'est compliqué dans un milieu professionnel parce que tu dois tourner la scène, t'as pas le choix. Bien sûr, ouais. Thank you.
Quand ton partenaire te dit qu'il est super mal à l'aise de faire ça, déjà ça te rassure parce que tu te dis qu'on est vraiment... Voilà, c'est un vrai job qu'on fait, quoi. Ça rend les choses plus faciles pour tout le monde. Il n'y en a pas beaucoup de thrillers avec des femmes qui sont performantes, qui se battent, qui escaladent partout, enfin, ce que font les mecs, ouais. Après, je suis en colère, mais c'est vrai qu'on veut dire, c'est quand qu'ils vont nous sortir des beaux rôles comme ça? Stephen, my father is a highway engineer. Stephen, my father is a highway engineer, which means he's never home. My mother is a teacher, which means she always is. I have a younger brother and sister. I used to ride horses, but I don't own one. The first boyfriend I ever had was a mechanic and worked at a union also. Is there anything else you would like to know? Run your campaign effectively. I need to know everything about you. Okay? No secrets. Snappy quarter turn. Action, action. Okay. Oh, hold on. Oh yeah, I'm driving here. Okay, I forgot it. I forgot my line. I saw it. Sorry. All right, you all set? Set. And action, action. Nice, very nice. Good speed, good energy, and you were under complete control. And build that confidence, because you can do this. You've done it before. Good one. Now let me over your shoulder. Yeah. Looking good. Ah, yeah. Oh, good point. How's it feel? Hey, that's it.
own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I never stay. I'm young, and I love to be young. I'm free, and I love to be free, to live my life the way I want.